Dion, he shoots, he scores! Marcel Dion! Hey, salutations, moi c'est Jim Schaub, ici nouveau sur ma chaîne YouTube. C'est 365 vlogs en 365 jours. Aujourd'hui, on fait un retour dans le temps à mon école secondaire. Mais où est Jimmy? Coupé! Bonjour, on est toujours devant l'école, genre... Et moi, à l'époque, quand j'étais président ici, j'avais fait une proposition. J'avais proposé que les jeunes aient des modèles de réussite et l'homme qui a pris la relève se nomme Denis Lambert. À ce temps, le gymnase porte le nom de Mathieu Perrault. Oui. Et là, le mur de la culture. Et le là, mur de la culture. On veut honorer un très grand nom du hockey qui est. Absolument. Ben, on parle des frères Dion. Marcel. Donc, Marcel Gilbert. Et l'autre. Gilbert. Et Rénald. Ah, ben, on va aller rencontrer Rénald qui habite encore dans Drummondville. On s'en va chez Denis. Bon, Denis, on vient d'arriver chez Rénald Dion. C'est quoi le but de la rencontre aujourd'hui, là? Puis il m'a parlé qu'il y avait des scrapbooks qui avaient été faits pour ramasser tous tes souvenirs de ça. Moi, j'ai ça. Moi, à tous les 3 ans, je sors ça. Ah, ouais? Puis là, je pleure. Ah, l'aréna que j'ai commencé à jouer au hockey, ben c'est le centre Marcel Dion, et là, on a l'article. Tournoi midget, c'est ça, Marcel Dion. Bienvenue Marcel Dion et Kings. Quand il était à Los Angeles, okay. Ils ont tourné, j'ai dit à lui, puis la Triple Crown, les chanteurs, elle a dit « Please forgive my misconduct last night ». Je l'ai sais quasiment par cœur. Please forgive my misconduct. Et lui, il disait « Bruy, il a sa vie ». Et moi, avec les frères Dion, ben, j'ai beaucoup de similarité, on est nés dans le même quartier. On est à la même école primaire puis à la même école secondaire. Hey. Yes, mon Rénald. Rénald, on est accueilli en superstar. On se fait crier là, juste de l'autre côté. C'était quoi le surnom que tu faisais à cette école-là? C'est pas moi qui donnais ça. C'est quelqu'un qui a dit Notre-Dame du Rosoir. Notre-Dame du Rosoir, j'ai jamais entendu ça. C'est pas moi qui avait baptisé ça. Là. On est dans la classe de mon prof de 6e. Mais là, on va ressortir tes bulletins, mon Rénald, pour prouver que t'es vraiment venu ici. Là. Tout 100% partout en plus. Wow! Eh là là! Ça avait l'air de quoi la patinoire devant Notre-Dame du Rosaire quand t'étais jeune, toi? On avait hâte qu'après Noël, nous disait pour les cadeaux, parce qu'on ramassait tous les sapins de Noël. Puis on les mettait tous alentour de la banque pour se protéger du vent. Oh, quand on jouait au hockey l'hiver, puis il faisait des moins 20, là, ben, entre les périodes, c'est ici qu'on venait se réchauffer. Si que toi puis Marcel, vous avez appris à jouer au hockey, on est aussi bien de faire un shot. Bon, mais j'ai essayé de faire un Ken Dryden de moi-même, j'ai essayé d'arrêter Dion. Oh là là! T'es prêt, mon Rénald? Let's go! Ouais. Bon, mais je suis prêt, mon Rénald. Oh ouais, le puck, shoot dans ça! Il était grand, mais il était pas gros. Il avait de la flash à bord de lui. Dion, il shoots! Il score! Marcel Dion! After 18 NHL seasons, Marcel Dion retired with 731 goals, ranking 5th all-time. Bon, mais là, je marche vraiment dans les patins des frères Dion. Notre école secondaire, Jean Rimbaud? Jean Rimbaud, où qu'on est venu à l'école, moi, Marcel. Voici le chandail que tu peux porter. Puis là, Gilbert aussi est venu ici, gagné la coupe en 93. 93. Et hey, puis chandail de Marcel ici, avec les Red Wings. Puis ça, c'est la partie. 92. Ça, c'est Renard, c'est Ron, que j'ai joué pour les Blackhawks de Sainte-Catherine. Puis Marcel est juste ici. C'est la capitaine. Fait que là, au moins que t'es passé une trente du à Jean Rimbaud, c'était quoi le plus impressionnant que t'es arrivé là, là? Le plus impressionnant, mais on va te le montrer. Le fameux gymnase. Ah ouais? Oui. C'est quoi que tu démarquais? Ben, c'est parce qu'on avait tellement chaud, puis il dit qu'après ça, il y avait des douches qu'on puisse se laver à la place. Ça, Rénard, je reconnaissais cette photo-là, c'est le tournoi midget. Un autre point que j'ai en commun avec Marcel, moi j'ai gagné la 49e édition du tournoi midget. Marcel, la deuxième. La deuxième. Allez, j'aurais pu me rendre dans le national de hockey. Bon, let's go, mon Rénard, je vois tes skills. Ouais. Il était pas mal meilleur pour scorer des buts qu'au basket, notre Rénald. Denis, lui, c'est un ancien joueur de basket professionnel. Lui, il a des skills. On s'essaye. Oh! 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 Premier lancé! Là, Rénald, on parle souvent de tes frères, Gilbert, Marcel, mais là, t'as eu tout un honneur, toi, un jour, là. Oui, puis c'est ça. C'est un monsieur Cournoyer, j'ai dit, il m'avait appelé à Sainte-Catherine, Ontario, Rénald, tu veux venir au baseball avec nous autres, on prendra. Puis l'honneur qu'il m'a fait, c'est qu'on me donne 15 à Rénald Dion et je les prendrai tous. Wow! Bon, mais Denis, cette rencontre-là nous a pas mal nourri, tu vas pouvoir prendre une belle petite bio comme ça? Absolument. Puis je pense que t'auras pas le choix d'honorer le 3e des frères Dion, Rénald. Ah, ben oui.
Bon, mais un énorme merci. Moi, je me suis rendu compte que j'avais beaucoup de points en commun avec Marcel. En plus, j'ai gagné le tournoi Midget alors que j'étais étudiant à Jean Rimbaud, comme Marcel Dionne. Allez, pour vous abonner à la chaîne YouTube, c'est juste ici. Pour voir le dernier vlog, ben c'est là. Salutations, les amis. Ciao, ciao!